Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir, je dis en l'autre fois encore, pour ma verre dans l'émission pour là, qui parle autre que mon éditorial avec Yannick. Eh bien, dans l'émission, je dis en là, et nous avons pile bagaille pour nous. Je dis en fait exactement 17 mois depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, avec Stanley Lucan a gagné pour nous, et pour nous garder qui perspective qui gagne sous dossier, hein? Est-ce que le dossier a pas avancé? Est-ce que le dossier a bien avancé? Est-ce que j'ai une instruction Walter Wissé-Voltaire lui-même qui sous dossier, hein? Qui a institué l'assassinat du président Jovenel Moïse enquête là? Est-ce que la font un bon travail ou pas? Et par rapport avec sanction que Canada prend compte trois et nègres, trois gros paletots dans l'élite économique là, Gilbert Bidjo, Sherif Abdallah, avec Renaud Dib, qui impact économique ça a gagné pour pays, puisque nous connaissons trois nègres à eux même seul qui quantité moun yo bay travail. Et depuis Canada prend sanction, automatiquement yo dou, fok kont nègres à eux commencer bloqué. Fok bien nègres à eux commencer saisi. Ou a parlé de Sherif Abdallah, qui c'est youn nan membre nan conseil administration et Sojebok. Ou a parlé de Sherif Abdallah, qui fait partie de conseil administration El Rancho Hotel El Rancho. Ou a parlé de lui-même qui fait partie de comité exécutif qui est Fondation Laurent Lamotte. Ou a parlé de Goubidjo à Syrie d'Haïti. Ou a parlé de Sherif Abdallah Assurance Léger. C'est pas deux, trois mouns yon baye travail de deux pays. Yon oligar corrompu, c'est vrai. Mais yon créé travail, yon paquet moun ap travail tout en deux pays. Qui impact ça a gagné, qui impact sanction ça a gagné sous moun sa yo qui a travaillé dans quelque entreprise dans jour qui a venu là. On a bien pour nous parler de tout bagaille ça parce que oligarque yo commencé gen kakarel. Et avant même nous rentrer dans information, avant même que moi recevoir Stanley Lucas jeudi en là pour nous al parler, pour nous al débattre sous situation paysan, m'a profité souhaiter une joyeuse cette d'anniversaire à deux moun qui a fêté. Mais je dis, il faut me dire, non, ah, mon belle maman qui a fêté. Ça, c'est maman Pam, c'est affaire Pam. Nous pas qu'à oué Yannick pour nous parler de Yannick. Nous pas parler de Yannick, mais toujours là avec moi. Mami chérie, vous connaissez comment la situation pays est. Je n'ai pas besoin de mettre des photos, je n'ai pas besoin de bailler, non, vous connaissez moi-même. Vous connaissez les gens sensibles, vous connaissez les gens nègres, tout à terre là. Il y a V, nègres, pas non, je vois, non, tout ça. Et. On connaît déjà petite forêt, moi, en pile, tout l'amour, c'est pour, tout l'œuvre là, c'est pour, ou façonner, n'en façon pas, ou, on comprend, nous, on s'allie déjà, donc, en pile l'amour pour moi, moi, en pile, on connaît l'autre monde, dans moi, en pile, tout, ok. Enjoy journée, chérie. On connaît pas aucun monde qui prend le contraire, yo, pas aucun monde qui a fort fâché, et bon, je vais toujours continuer de verser toute grâce, li, toute bénédiction sur vous, restez même mounouillé avec même énergie de positivité, hein. Et puis, nous-mêmes, nous travaillons pour nous faire cœur content. Je profite de souhaiter un joyeux fête d'anniversaire à Gélé et Carilus, un fanatique émission, un supporter émission, un monde qui toujours dit que j'apprécie le travail à faire, qui a fêté un nouveau printemps, jeudi en là. Et donc, continuez, restez mounouillé, continuez, faites ça à faire de bon, continuez à briller dans la façon pour M. Carilus et. M'espérer que ap gen paquet l'autre année k'ap monte pour la ja continue augmenter. Nous là nan vive, d'autant nan vive, c'est occasion pour nous simayer l'amour, c'est occasion pour nous partager l'amour que famille, que madame nan petite lan proche ou continuer bon love là, montrer jon important pour yo nan famille. Pas de famille sans garçon, garçon c'est poteau mitant et comme ça tout pas de famille sans femme, non, famille c'est yo même qui moteur à reprendre pendant fête monsieur Carilus, bay madame dans love là, bay famille en love là, et moi même nan bon pas m'a continuer ba nous toute love là parce que nous connaissons déjà nous c'est affaire pam chaque ami, chaque fanatique, chaque proche émission qu'a fête jodi an là, ou anniversaire de naissance, de mariage, n'importe salté, hein. M'a souhaité un joyeux anniversaire. Continuez. Que ben même énergie de positivité. Ah bon? Nous prenons le parler avec Stanley là. Nous prenons le parler pays préparé. Un paquet de dossiers pour nous, ouais. Jodi à la même. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Pays
dans moment là il crée une situation tête chargée dans ka oligarque. Oligarque yo commencé gen kakarel et dans moment n'a parlé à là monsieur vraiment paniqué. Nous connaissons qui combat président Jovenel Moïse il t'a mené contre oligarque corrompu, dénonciation qui fait contre oligarque yo, gens yo t'a tiré profit de pays, y a craser pays, y a fait l'argent dans pays et tout y a créé une situation instabilité, y a créé violence dans le pays. Journée aujourd'hui là Canada, États-Unis, et sous base résolution 2653, a fait la chasse aux oligarques corrompus. L'a fait la chasse aux politiciens corrompus, nègres qui gagnaient ou relation avec bandits, avec gangs en dedans pays. Et jeudi 7 décembre 2022, là, il manquait tout 17e mois depuis nègres assassiné président Jovenel en dedans pays. Dans qui point la justice, n'a pas suivi dossier, et qu'on y a, l'a regardé. Ça a passé avec oligarque corrompu, il est extrêmement important pour nous faire un diagnostic, pour nous parler de ça qui a passé en dedans pays. Moi, j'ai avec moi là Stanley Lucas qui sont invités habitués dans l'émission. Nous allons regarder avec lui là et sanctions que Canada et États-Unis prend contre oligarque corrompu en Haïti, contre politiciens et tout. N'a parlé de 17e mois assassinat président Jovenel Moïse, dans qui point dossier a avancé. Bonsoir Stanley Lucas, bienvenue dans l'émission. Mission mon éditorial avec Yannick, nous bral va le pays. Stanley Ola? Auditeur, qui a une meilleure compréhension de ce qui a passé dans le pays, et yo même, comme citoyen, citoyenne, candidat et qui est au pays, comment yo ka contribué et pour que la paix retourne, la justice régne, pour que les gens vivent dans leur propre pays. Bon, et Stanley, nous allons commencer là avec l'émission. Première question, par rapport avec sanctions, ça a tombé là, que le clan politique, là, que le clan économique, là. Il y a une dernière résolution que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adoptée, côté que depuis ces nègres en Haïti, côté dans la politique ou dans l'économique, dès pour participer dans financer gang, ou à tomber en bas sanction. Par rapport avec situation ça, nous avons là trois oligarques corrompus, c'est quoi ça nous relève et nous avons comme président Jovenel Moïse a dénoncé action nègres dans le pays. Comment ou même ou accueillir sanction que le pays Canada prend contre Gilbert Bidjo, Reynold Dib, Chérif Abdallah dans ce moment là? Bon, depuis l'heure de passer résolution 2645, là, nous avons dit clairement que faut qu'on régime de sanctions pour que la sécurité soit rétablie dans le pays et pour que la paix tourne, pour que l'élection soit faite, pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel, mais en même temps tout pour créer un environnement qui permette qu'on juge un petit bon vie enquêtée pour Marie, tout assassin qui touille le président Jovenel. Donc nous-mêmes, là, nous avons réfléchi sur ça, il y a à peu près 14 mois de ça. Et nous avons dit qu'il y a 16 catégories dans le pays d'Haïti qui impliquent dans la gang, qui impliquent dans le trafic d'armes, qui impliquent dans la violence politique, dans la drogue et dans tous les résidents. Donc, nous avons dit 16 catégories. Oligarques qui sont dans la gang, qui sont dans la violence et la grille, qui sont dans le trafic d'armes, qui sont 15 avec la gang. Anciens résidents qui sont dans la gang, qui sont 3. Officiels dans le gouvernement qui n'ont pas de trafic, Zamé Latrier, qui est 13, sénateur en fonction, qui est 3, ancien parlementaire, qui est 17, membre CSPJ, juge à commissaire gouvernement qui a touché dans mes gangs pour laguer ou bien pour protéger, ou qui est 32, commissaire dans la police qui a coordonné activité, organisation criminelle, fantôme 509, qui est 4, policier qui n'ont pas de 150, leader politique qui n'ont pas de 8, gang yo même 53 chefs de gang ou des comptes pas en bas qui a protégé monde qui n'a tout le président et qui n'a gang et 2 droits humains qui n'a gang 3 journalistes qui n'a gang 4 lobbies blancs qui défendent gang dans Washington 2 membres de l'église qui n'a gang 20 et puis blancs corrompus globalistes et racistes qui supportent par ça dans le pays d'Haïti 10. Ça est le premier élément. Deuxième élément, nous te dit que il faut que tout ça qu'on fait en matière de sanctions, gomba juridique et légale dans le tribunal. C'est pour protéger la souveraineté des pays. Parce que le conseil de blanc globaliste corrompu, qui a même servi à sanction pour qu'il rejoigne une docilité politicien haïtien, on bagage qui a facilité pour qu'il vienne voler tout ça qu'on bat des pays d'Haïti. L'or, gaz naturel, iridium, cuivre et ladrier.
te dit, nous dit toute sanction qu'a prend yo pour que toute sac saisie yo en matière de biens et en matière de corps pour yo retourner dans trésor public. Nous te ouais la Suisse te saisi corps pour Haïti et qui te passé combien millions qu'il te au lieu yo remettre corps là dans trésor public haïtien son ONG suisse que remettre corps là. Nous va les arriver encore. Quel que soit bien à propre qui est saisi, c'est dans le trésor public, via le ministère des Finances, pour remettre l'État, parce que c'est bien l'État qui est ou pas bien blanc. Mais je n'ai jamais dit là, qui est pas pour penser sanction que Canada prend contre et monsieur Sao qui dans et secteur privé parce que on va parler de et groupe de Kagou, on va parler de Moun Bon Gouyo, on va parler de groupe Bidjo, on va parler de Chérif Abdallah. Moun Sao ont poids dans secteur économique là, ont paquet de gros business en Haïti et Canada prend décision demandé pour yo et pour yo bloquer contre Moun Sao. Nous connaît Moun Sao gen relation avec un paquet de banques, c'est Moun qui vice-président et conseil administration dans banque, c'est Moun qui gen et action dans paquet hôtel. Mais est-ce que on pas penser que décision Sao ka des conséquences tout sur un paquet Moun qui travaille dans le pays ainsi. Yo ta décidé pour yo bloquer. Mais jusqu'à présent. Impossible, mais jusqu'à présent, sanction que yo prend c'est plus poussière dans genou. Par exemple, l'on prend trois oligarques qui est plus dans gang, dans le trafic d'armes, dans la violence politique en pays. C'est eux-mêmes qui mettent violence gang dans la rue pays, l'autre côté président Jovenel à terre. C'est eux-mêmes qui servent avec gang pour attaquer la police. Ils ont boulé 15 commissariats dans le pays. C'est eux qui attaquent le ministère des Finances, le ministère de la Justice. Ils ont servi à gang à Fantôme 509 pour attaquer Ona, pour attaquer Faes et la Tier. Dimitri Vop, Jean-Marie Vop. Avec le général Boulot, c'est pas Chavob, qui est impliqué dans tous les présidents et qui n'a violence avec gang. Jusqu'à présent, rien pour corriger. Et même Nexa, la justice a fait mandat pour eux depuis le 9 juillet 2021 pour implication dans tous les présidents. Jusqu'à présent, ils ont beaucoup. Et c'est pour ça, la sanction qu'on va appliquer, il faut sanctionner au papa, c'est poussière pour boucher chez nous. Nous-mêmes, nous restons focus, nous cherchons justice pour le président, nous avons besoin de tout gang dans le pays à craser. Oligarques principales qui mettent gang dans le pays d'Haïti, il y a les Réginal Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop. Nous avons jamais eu la date. Donc, pas dit l'autre, pas la date. Mais ça, c'est le maître principal gang. Donc, ou même d'autant que ça n'a pas sanctionné pour ces corps, qu'en fait, c'est fou là, États-Unis et Canada fait là. Bon, bagay, Yannick. Blanc, baga passe nous dans bêtise. C'est Blanc lui-même qui a un livre qui est les zombies sales. Blanc qui écrit livre, écrit les Max Kell, c'est lui-même qui est responsable de l'enseignement intelligence pour les Nations Unies en Haïti. Blanc a expliqué non tout oligarque qui l'en gagne. Elle prend son livre, daté non tout non qui est au oligarque qui l'en gagne. Il y a même qui écrit le noir sous blanc, il y a beaucoup de gens qui ont une là-dedans. Question de poser des deux pour qui ça? Donc, vous estimez vos catégories qui privilégiées par rapport avec l'autre? Et c'est là qu'on va comprendre que le gouvernement président Jovenel Moïse a fait à qui son gouvernement économique pour reprendre l'État en bas des oligarques et blancs globalistes corrompus. Et le comportement du gouvernement Ariel Henry qui implique dans tous les présidents et qui n'a pas que pendant 17 mois, on doit poser aux questions pour qui ça n'est pas pour Ariel, alors que le secrétaire général Baléa dans gang, José Biel, ministre de la Justice, Beto Dossé dans gang. Ministre Terrier nan gang, Ariel nan gang, jusqu'à présent a supporté le motif là son motif économique. Parce que Negio, nan 18 mois, 17 mois qui sont passés là, Negio, et l'obgade quantité l'argent que Negio fait, ça veut dire que chaque blanc globaliste corrompu, qui a couru Nexayo en Haïti, il recevait 10, 20 millions chaque mois. On garde les chiffres économiques yo, ensemble pour comprendre. Dans le gaz, il y a 90 millions de dollars américains par mois. En 17 mois, il y a 1 milliard 530 millions de dollars américains qui ont pris dans le poche peuple, dans le poche malheur. Dans le courant, il y a 450 millions de dollars américains. Dans le dollar, c'est qu'il y a dévalué le dollar avec une banque pour forcer la banque centrale à 200 millions de dollars américains. Sans compter la diaspora qui a volé dans le taux de change. Dans la richesse, il y a un ramasse en 17 mois 743 millions de dollars américains. Dans le kidnapping, 39 millions de dollars américains. Dans le trafic, 430 millions de dollars américains. Ça veut dire en 17 mois, il y a un ramasse 3 milliards 259
millions de dollars américains sont pas mettés de budget. Budget rectificatif 197 milliards de gouttes et budget 210 milliards de gouttes qui boit 407 milliards de gouttes, tout comme l'État, comme taxe peuple qui n'est pas écrasé. Et puis, blanc qui globalise corrompu, qui besoin de voler sa campagne dans le pays d'Haïti, la protéger n'est pas parce que chaque mois, on dit 20, on dit 30, on dit 40 millions qui a joué blanc globalise corrompu. Est-ce que c'est pour ça que nous n'est pas parce qu'on dissension? Mais bon, le bagay qui attire l'attention, parce que je regarde ensemble des formations, je dis là, qui public par rapport avec les oligarques qui sanctionnent là. Donc, par exemple, je parle de Chérif Abdallah qui a gagné un monopole et transport aérien. C'est lui-même qui a gagné un hélicoptère qui a ploué l'État haïtien. Et il y a deux relations que Chérif Abdallah a gagné avec l'administration Jovenel Moïse. C'est bagay tête chargée, bagay rouloloui. Et quand tu as l'argent que administration pouvoir Jovenel l'a dépensé dans louer hélicoptère dans Chérif Abdallah, c'est l'argent que yo te ka acheté des hélicoptères si yo te vle. Mais comme vous comprenez journée jodi là, pendant président Jovenel Moïse te non logique a dénoncé oligarque, et puis journée jodi là c'est même nèg sa yo pile là dedans, c'est yo même et c'est yo même Canada sanctionné et c'est yo même tout président Jovenel Moïse te gen relation d'affaires avec yo. Est-ce qu'on pas senti quelque part et gon erreur dans l'équation, gon bagay qui échappe nous et faut nous aider population comprendre? Si président Jovenel Moïse a dénoncé un groupe oligarque, journée jodi là, est-ce que c'est pas responsabilité l'État pour sortir en bas moun sa yo, sous te qu'on a fait affaire avec yo louer hélicoptère dans meilleur de préférence pour mettre l'argent disponible pour acheter matériel pour l'État de manière à ce que pour pas une relation d'affaires avec Mounsayo. Le président Jovenel Moïse prête serment 7 février 2017 pour un mandat de 5 ans. L'MCI est sous pouvoir, il joint que l'État, avec des pouvoirs exécutifs, législatifs et pouvoirs judiciaires, c'est dans les 15 à 20 oligarques qui ont vu une quête. Monsieur essaye pendant un an et demi à dialoguer avec oligarque pour dire que bagaille pas qu'à continuer fait comme ça. Et oligarque qui répond président, c'est comme ça bagaille te compte fait depuis 50 ans. Président dit oui, c'est volé, nous t'as volé depuis 50 ans, bagaille pas qu'à faire comme ça. Les présidents ouais qui n'ont dialogue, au lieu de dialoguer sérieusement, ça n'est que t'as fait oligarque pour recalibrer bagaille en faveur pays. Au lieu de dialoguer, franchement, président vient de découvrir que c'est coup d'État qui a parlé pour mettre la tête, au lieu qu'il a changé le système en faveur du peuple. L'État président dit qu'il va prendre le tour par les cônes. Il a coupé côté Dimitri Vogue, Jean-Marie Vogue, c'est qu'on a pillé 300 millions de dollars américains et par année dans l'État pour Blackout. En 13 ans, il a volé 3 milliards 900 millions de dollars américains. Deux fois comme Petro-Garibé. Il s'est coupé, j'en ai eu de suffacturer route. Mais sous chaque kilomètre de route, j'étais contre faire l'État payer 1 500 000 dollars par kilomètre. Alors que kilomètre route là, les coûtait 150 000 dollars avec bénéfice. Ça veut dire sous chaque kilomètre, j'étais volé 1 350 000 dollars. C'est même bagaille là, j'ai eu trafiqué dollars. C'est même bagaille là, j'ai eu fait dans la vie chère. Dans l'affaire hélicoptère, le président vient de me contre ça, il était coupé pour l'hélicoptère et tout. Donc c'est dans le contexte ça, alors motif crime. Tous les présidents sont motifs économiques. Le président a coupé 4 milliards de dollars américains qui n'ont pas volé dans l'État. C'est pour ça qu'ils ont décidé, oligarques ont décidé de mettre 20 millions de dollars américains ensemble pour aller tous les présidents. Donc, je viens de dire, dans l'application de sanction, la question pour vous était tout, est-ce que oligarques qui ont contrôle avec blanc globaliste corrompu, qui Ottawa, qui Montréal, qui Florida, qui New York, qui Washington, qui à Paris, qui Bruxelles, est-ce que parce que oligarque corrompu ça a voué 10, 15, 20 millions de dollars américains pour eux par mois, est-ce que c'est pour ça qu'il a protégé? Est-ce que c'est pour raison ça qui fait que Dimitri Vob, Reginald Boulot, Jean-Marie Vob avec un paquet de l'autre, pourquoi sous les sanctions? Parce que si vous mettez gang dans le pays, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Si vous montez sur YouTube, vous prenez témoignage, par exemple, Jimmy Series et Ayaz Barbecue, je explique au clairement les relations qu'il a avec Boulos. Et l'autre vidéo dans Cité Soleil, Concouti Gabriel, Diougan, Iska, il a expliqué très bien les relations qu'il a gagné avec Reginald Boulos. Et Reginald Boulos, tout une vidéo côté l'abdou, pendant le pays, l'autre, c'est lui-même qui a financé Gagnon, qui a été les brigades de défense. Donc, il y a une relation, M. Sayo, dans tous les présidents, et dans Gagnon, son bagage qui est clair, pour lui, ça va fonctionner. Ça, nous devons poser des questions chaque jour.
Mais bon, l'autre aspect qui est extrêmement important, parce que sanctions que Canada prend là, yo dou sanction ça yo touché des séries de monde qui proche avec moun sa yo, que le shérif Abdallah, que le Yuri la Tortue, des séries de monde qui dans entourage yo, qui gen relation d'affaires avec yo, sanctions ça automatiquement, dès pour gen transaction qu'on fait avec moun yo, sanctions la passe pour. Mais non, situation nous trouvons nous là, on moun ta kou shérif Abdallah qui est actionnaire, qui fait partie du conseil d'administration sur GBank, qui fait partie du conseil d'administration El Rancho, et on va pas parler de El Rancho, on va parler de Reginald Boulos. Donc, je dis, en là, est-ce que sanction ça tout à l'heure? Tout à l'heure. Mais est-ce que par rapport avec les sanctions, est-ce que de près ou de loin, est-ce que sanction ça quand même, il n'y a pas privé toucher tout le monde ça? Ok, qui a une relation d'affaires avec même oligarque, ça, que le Boulos, que le l'autre monde, je dis là. Parce que ce n'est pas un grand monde. Sanction vise tout le monde qui a une relation d'affaires avec nous. Je même une position de traité. Des boules dans la gang, des boules dans le trafic d'armes, ou dans le trafic de cocaïne, ou dans la violence politique, ou dans tout le président, faut que sanction frappe. Je n'ai aucun problème dans le niveau ça. Mais en même temps, tout, je vais appliquer sanction. Son règlement de compte à partir de guerre d'influence dans Ottawa ou bien dans Washington. Par exemple, le chef de cabinet adjoint, premier ministre Trudeau, Marjorie Michel, c'est pas Marjorie Michel SDPA, non? Marjorie Michel SDPA a écrit R-Y. Marjorie, ça a écrit avec E. Marjorie Michel, ça, c'est la valance qui est liée, c'est le chef de cabinet adjoint Trudeau qui est lié. Donc, moi-même, pas d'arrêt, mais qui est dans la fonction, ça a eu. Gagner ça a les guerres d'influence dans les grandes capitales du monde. Même que les sanctions à appliquer, dans quel que soit le camp politique que nous avons, depuis le gang, le trafic d'armes, le cocaïne, la violence politique dans tous les présidents, qui ont cassé avec sanctions, parce que le pays a besoin de la paix, le peuple a besoin de la paix. Et c'est pour ça que j'invite les jeunes à regarder un article qui m'écrit, depuis qu'ils allaient sur Google, ils mettent ça à venir. Et Haïti, coopération internationale, sanction de dupe par Stanley Lucas. Algade le bouet. Nous-mêmes, nous d'ailleurs, nous gommons pour sanction depuis 14 mois. Pas de gain, les résolutions 2645 là. Et c'est nous-mêmes qui disons qu'il y a 16 catégories qui concernaient qui appelaient des sanctions. Donc jusqu'à présent, pour nous-mêmes, ça a fait l'Assemblée à poussière d'Angers, il y a beaucoup moins de bagages sérieux. Donc, si je comprends là, selon vous-même, et Dimitri Vob, Reginald Boulos, ça c'est plus corrompu que trois premiers oligarques ça a fait. Jean-Marie Vob. Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, avec Reginald Boulos, c'est plus gros mec gang qui gagne dans le pays d'Haïti. C'est eux-mêmes qui financent gang yo, et c'est eux-mêmes qui font gang yo, vinoué pour voir que vous gagnez sous société. Et yo, toi qui pendant pays lock, qui servent à gang pour attaquer la police. Yo fait gang yo boule 15 commissariats. Yo fait gang yo boule 8 tribunaux. Yo fait gang yo boule 7 mairies. Yo fait gang yo attaquer DGI. Heureusement, yo pas de getan boule. Yo fait gang yo attaquer ministère finance, ministère la justice, primature, prona. Yo fait gang yo attaquer FAES. Yo boule au moins 15 ou 20 machines dans FAES là. Qui est-ce qui commence à mettre gang yo dans violence et pour faire coup d'état, pour vous et président aller, pour tous les présidents? C'est Dimitri Vob, Jean-Marie Vob avec Reginald Boulos. La justice font un mandat pour eux depuis 9 juillet. C'est une raison qui fait que Dimitri Vob et Jean-Marie Vob démettent des bêtes au dos et avocats sous une ministre de justice pour bloquer tout le bagage. Pour la justice, pas qu'à main. Si à tel moment, ils mettent deux juges coup de cassation dans tous les présidents, puis Riquel d'Abrésil avec Wendel Vob. Bon, nous connaissons toujours des recherches à faire ça, Neluka. Et bon, disons qui information, ok? Sous ta presse, son tableau, sous trois personnalités, ça yo. Et Gilbert Bidjo, Shérif Abdallah avec Reynold Dib. Et qui sont à partager avec le public là, comme information? Dans ça yo, t'as gagné comme soi-disant relation, ou bien complicité, ou bien tout. Et niveau de financement, dans la violence, ou bien dans l'instabilité politique, ou bien tout. Dans différentes manifestations qui aboutissent à pays, lorsque le président Jovenel Moïse était prêt. Est-ce que moun sa yo, yo pas gagné pour ouais avec déstabiliser pays, avec question violence criminelle, comme si quitter vle chavirer pour voir Jovenel Moïse pendant tout le temps que vous avec l'opposition politique là? C'est pour ça que moi-même, je doute à l'air, malgré les 16 catégories que nous disons qui doivent tomber en bas sanction, deuxième élément de doute à l'air, il faut que vous menez toute preuve dans le tribunal pour que vous condamner.
les gains juridiques, ça, pas gain abus qu'a fait. Et c'est pour ça que nous sommes toujours prêts depuis le commencement. Nous disons qu'il faut que ça qu'a fait une base juridique. S'il n'y a pas une base juridique, même les gens, dans 8 mois, ils ne peuvent pas apparaître sous même gens encore. Les gains base juridique, dossier à fermer net. Et c'est pour ça que nous-mêmes, non seulement nous disons qu'il faut une base juridique, nous disons tout que bien avec quoi qu'il y a saisi, il faut remettre les bails l'État haïtien. Et pas pour blanc, c'est l'argent nous avec bien nous. Mais si ma bien gardé là-bas. Mais si j'ai sanction, c'est bon, je vais être lié, non? Pour nous pas prendre un coup. Parce que là, si ma bien gardé, gros catégorie, j'ai l'impression, pas besoin et question aller la justice, ou on y de bien fait de l'implication, de travail. Non, toutes les catégories, même pas l'exception, non? Toutes catégories, on doit aller devant la justice. Pour que demain matin, pour pas venir prendre saisissement. Ma bon exemple, par exemple. Canada a été sanctionné Jacques-Édouard Alexis. Il était obligé de présenter des excuses à Jacques-Édouard Alexis après. Et Comité américain des droits de l'homme, Yvon Neptune, a porté dossier devant la Comité américain des droits de l'homme. L'État haïtien n'a pas réagi. Je reconnais que c'est innocent parce que l'État m'a fait suivi dans la Comité américain des droits de l'homme. C'est pour ça que le dossier ça, il y a un aspect politique. Mais il y a un aspect technique et juridique qui est aussi important que le dossier politique. C'est pour ça que même garder tous les droits. Donc non, l'aspect juridique là, est extrêmement important et c'est une des raisons qu'il faut... Ouais. Et c'est pour ça qui est important, je vous dis. Je m'a demandé, avocat haïtien qui est dans la diaspora, dans l'esprit patriotique que c'est haïtien que nous sommes, que nous aimons le pays d'Haïti, montons un conseil d'avocat qui a 30 avocats là-dedans, pour faire suivi juridique des sanctions aux États-Unis, au Canada et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Parce que le problème que nous avons, tellement de complicité dans l'État haïtien, ou bien nous avons porté dossier devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ou bien nous porté dossier devant le tribunal américain, parce que par mon parti civil pour défendre l'intérêt du peuple là, tout le monde qui vient voler pour l'État, qui vient touiller, ou après sortir innocent. C'est pour ça, suivi technique et juridique là important. Et nous, ouais, après Canada a décidé de sanctionner l'ancien président Michel Joseph Martelly, de sanctionner deux anciens premiers ministres, Laurent Lamothe avec Jean Rousseau. Nous, les États-Unis, lui-même, contentent, lui saluent les sanctions que le pays Canada prend, mais lui-même, pas beaucoup de parle. Et peuple haïtien t'attend que lui suive Canada, lui prend sanction et même j'ai avec Canada. Nous, ouais, jusqu'à présent, pas rien qui fait. Ou même, qui raison ou kabay, et qui raison kabay, qui fait jusqu'à présent, États-Unis, lui-même, lui pas arrivé sanctionner que le Martelly, que le Lamothe, même j'ai Canada fait là. Bon, c'est eux même pour demander, mais moi-même, ça me constater comme observateur, moi, mon ancien ambassadeur américain en Haïti, qui est James Soli, lui a écrit un article dans Politico, en d'article, lui mandé pour intervention militaire, et lui mandé pour que vous installez Ned Montana dans le pouvoir. Moi, ancien ambassadeur américain, tout, Pamela White, pour la même position. Moi, ancien ambassadeur et Daniel Foot qui t'envoie spécial administration et Biden n'a pas la même position, alors que sous secrétaire d'État américain, ça Ariel Henry l'a pourri. Donc, question qu'on doit poser est un nouveau conseiller spécial que le président Biden fait nommer pour les Amériques et qui est habitué à travailler sous dossier Haïti à l'aide des sénateurs. Puis, il a écrit un article sous Miami Herald le 20 mars 2010 pour demander mes deux pays à sous-titrage. Il est ça à l'époque, on lui a parlé pour démettre l'ancien président Clinton, gouverneur PIA. Donc tout bagage ça, au cours de vos états, tout, qui gagne d'influence qui gagne dans Washington, qui fait que, mais qui ça doit faire, ou même qui ça ne doit pas faire, jusqu'à présent, on sait des bagages qui doit faire, qui beaucoup de gens font. Donc question au cours de vos états, est-ce que c'est gourmet, lutte d'influence? Mais en même temps, tout, le système judiciaire américain, lorsqu'un citoyen américain ou bien réside aux États-Unis, il y a des protections constitutionnelles qu'on gagne. Donc, ça veut dire que si on peut prendre un bagage contre tout, il faut qu'il y ait des preuves irréfutables sous sa diapositive. Donc, tandis que dans le système Canada, avec décret royal, le gouvernement a plus de pouvoir, il n'a pas besoin de preuves pour prendre des décisions. Et même dans le tribunal, on va carrer le gouvernement. Et pour ça, par exemple, si vous avez un problème au Canada, vous n'avez pas même besoin de devant la justice.
Miss Canada, ou pas à aucun côté, ou sont aussi droit violé, c'est dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour aller. Donc, dans ce sens-là, moi-même, nous sommes qui croient dans la démocratie. Moi, je dis clairement que il y a 16 catégories qui impliquent dans la gang, qui impliquent dans le trafic d'armes et qui impliquent dans la drogue. Mais aussi que clairement, les gens qui impliquent dans tous les présidents le 7 juillet, et tout autant de papari, quel que soit le président qui a choisi dans l'élection, il a retourné tous les présidents depuis le décidé pour le travail pour le peuple. Donc, dans le contexte, ça, tous deux dossiers liés. Que le dossier assassinat président, que le dossier sanction. Mais on a remarqué que, est-ce que parce que le conseil de blanc qui est impliqué dans tous les présidents, est-ce que c'est pour ça que blanc est prudent sur le dossier sanction? Par exemple, regardez l'aide Félix Badieu-Joseph, voyez par l'ambassade américaine, dans le deuxième paragraphe là, j'ai tout consacré, je vous ai tous les présidents, et dans l'être là, confirmé qu'il était là sans parler ça. Pendant que tous les présidents, il dit, c'est pas dit, et là, c'était contre le terrorisme unique des États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a un plan américain qui est impliqué dans tous les présidents. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a cassé fait courir son série de côté? Il y a un Dominicain qui est impliqué dans tous les présidents. Ça veut dire qu'il y a un Dominicain qui est le Gonzalo Castillo, c'est un avion qui mène les soldats colombiens en Haïti. Madame Lalim, pas capable au courant qu'il y a d'abord tous les présidents, l'Oli. L'Oli Liv Zombie Faza, qui est responsable de l'enseignement national en Haïti, regarde le volume d'informations qu'il y a gagné, madame Lalim, pas capable au courant qu'il y a tous les présidents. Donc, vous avez des blancs qui font jouer sanctions avec nous pour nous pas garder tous les assassinats présidents, tous les deux liés. Sanctions, oui, mais en même temps, tout, marrer tout blanc et haïtien qui est impliqué dans tous les présidents, nous là dans tout. C'est pour ça que nous gardons des sanctions, il y a gagné des fois tant que poussière qui a voué dans le genou. Pour qui ça blanc depuis 17 mois, il faut que j'en mette au tribunal pénal international pour identifier les gens qui tous les présidents Jovenel Moïse, même j'ai été fait pour le premier ministre Rafik Hariri dans le Liban. Et pour ça, nous-mêmes, conseiller des blancs, globalistes corrompus, qui tous les présidents pour des motifs économiques que nous sommes dit à l'air, et pour bagaille combattre les pays d'Haïti, gaz naturel, iridium, cuivre, l'or, qui ont besoin de vin voler. Donc c'est pour ça qu'ils ont parlé. Avancer dans l'enquête sur l'assassinat président, côté l'enquête FBI là. Mais nous gardons ça, le département d'État voyé par le Congrès des États-Unis. Mais Stanley, par rapport à la situation, ça, je ne veux dire là, nous voyons comment, et classe politique là, nous voyons comment Ariel Henry, Likin, Beli accapare le pouvoir l'État. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Ariel Henry de faire élection dans le pays? Est-ce qu'il y a une possibilité? Parce que je ne j'en dis là, il y a des séries de gens qui regroupent en jovenelis, gens qui défendent et gens qui cherchent justice pour le président Jovenel Moïse. Est-ce que nous-mêmes qui avons bataille pour chercher justice pour le président Jovenel Moïse, est-ce que je ne j'en dis là, nous croyons que Ariel Henry, lui qui arrive et fait élection dedans le pays, pour nous dire nous-mêmes qui avons bataille, nous-mêmes qui avons suivi l'idéal président Jovenel Moïse, t'as prôné pour nous combattre le système, là, pour nous combattre contre l'oligarque corrompu. Est-ce que si demain matin, là, Ariel a décidé d'organiser l'élection, est-ce que nous-mêmes nous prêts pour nous dire nous prenons l'élection avec Ariel Henry? Bon, avec si vous mettez Port-au-Prince dans la bouteille, là. Mais la réalité, c'est que. Quel que soit mon taboumé pour justice, pour président Jovenel Moïse, je n'ai aucun problème à ça. Je n'ai pas membre d'aucun regroupement politique, journaliste, je n'ai pas un regroupement politique. Nous sommes purement taboumé pour justice, pour président, depuis 17 mois que je suis élu. Donc, moi-même, il est très clair que un premier ministre qui est impliqué dans tous les présidents n'a pas qu'à organiser des élections libérales et démocratiques. Mais, c'est pour ça que je suis allé à l'Ambléfella. Et dans des questions là, donc, premier bagage là, on est qui implique dans tous les présidents à organiser l'élection libérale et démocratique. Deuxième bagage là, c'est pour raison ça que l'écrasé KEPA. Il y a 5 millions de monde qui ont gagné carte électorale. KEPA a été très avancé dans la préparation de l'élection électorale. Question de poser des tout pour qu'il y ait KEPA. Troisième bagage qui est important, dans le discours que Ariel Henry fait 7 février 2022, l'analyse du discours, il y a un doute qui est ce qu'il va choisir. Il y a un profil qu'il va choisir comme président. Parce que dans le discours, il doit consacrer dans toute élection qui est faite avant, le peuple n'a pas choisi bien. Donc il doit clairement lui-même qui va le choisir dans la prochaine élection. Donc quelque part, j'en vivais là pour que je me suis révoqué commissaire gouvernement Bedford Claude, parce que commissaire gouvernement Vinkembe, j'en impliqué dans tous les présidents.
l'autre dernier audio, Félix Badio Joseph, là, qui dit lui-même, il va pas le quitter au sacrifice pour contrer après toute responsabilité qu'il vient prendre pour tout M. Sahayo. Ou est clairement que, en aucun cas, Ariel Henry soit regardé tout deuxième paragraphe, lettre de démission, Daniel Foutlan, envoyé spécial américain, M. Douariel Nangan. Donc, quel que soit son vie, là, M. Baga organise l'élection libre, honnête et démocratique dans l'État pays d'Haïti. Donc, c'est bagaille de 6 ans, mais. Mais, je ne veux dire, là, nous, influence, Pierre. Donc, c'est pour ça, même, de toujours dit, solution, c'est conformément à l'article 149 Constitution qui dit que, lorsqu'il y a un président, on va mettre un nouveau président tout autant que le peuple a pour voter. En attendant que le peuple a voté, son premier ministre avec 18 ministres qui doit diriger le pouvoir exécutif là. Donc, je veux dire, c'est qui j'en pourrais ici faire un consensus pour que un nouveau premier ministre à 18 ministres qui avait rétabli la sécurité, organiser le référendum avec élection, non délai pas dépasser 14 mois pour rétablir le pays à l'ordre constitutionnel. Si le consensus a rejoint son nouveau premier ministre avec 18 ministres, et puis, il a avancé très vite dans rétablir la sécurité, rétablir l'ordre constitutionnel. C'est parce qu'il n'y a pas de consensus ça qui fait qu'Ariel là toujours. Bien entendu, le conseil des nègres qui est folie président, depuis au finalement des constitutions, on ne peut pas mettre président provisoire encore. Et depuis au tout, on premier un président, son premier ministre qui doit diriger le pouvoir exécutif avec des ministres jusqu'à ce que le peuple là. Et il y a écrit constitution comme ça, c'est parce que le législateur a pas dit que nègre prend habitude tout le président et puis entrer dans le palais national. Gouvernement qui est important me fait Stanley parce que nous bien bien longtemps là n'a regardé son même catégorie moun c'est eux même qui constitue les rouages du système c'est eux même qui fait système dans marché c'est eux même qui met système là tant qu'on a ici là n'a regardé élite économique là façon yo investi dans classe politique là des série de nèg là qui a été qui comprendre qui c'est employé qui c'est employé nèg qui dans secteur économique là ou tande tel c'est boss tel politicien et tel nèg dans élite économique là c'est boss tel député tel sénateur li mette moun nan parlement pou li li même yo même qu'on habitué investi nan campagne qu'a fait pour président le gen élection tout ça par rapport avec situation ça me finit par comprendre n'a bataille contre un système mais moun sa yo qui en dedans système nan on dirait que yo organisé yo le président qui est élu qui là yo là gen une transition qui vini yo là gen un président de gauche qui vini yo là tous les coups c'est toujours même moun sa yo qui constitue le système non c'est toujours même élite économique n'a dénoncé jodi la nouvelle les oligarques corrompus c'est toujours yo même qui toujours là je ne jodi est-ce qu'on pense li possible par rapport avec par rapport avec sanction ça yo que États-Unis Canada prend contre qui dans classe politique là premier bagaille est-ce que li possible pour nous tout profiter font épuration de classe politique là pour nèg ça pas retourner est-ce que nous ka prendre des dispositions contre eux même et deuxième bagaille là tout comme que sanction ka prend contre élite économique là nous finit par réaliser que nèg ça yo définitivement en pile là dans yo constitue un poison pour pays par rapport avec relation yo gen gang j'ai financé gang a financé violence dans pays yo est-ce que tout nous pas supposer pour un recul avec yo mais moi fini par remarquer prend recul avec yo mais nèg ça yo tout yo tout profité ranger cabane yo ou regarder gen en pile nan yo qui prend retraite yo c'est petit petit yo mette dans tête entreprise yo est-ce que d'une manière ou d'une autre est-ce que n'a pas arriver combattre ça nous les systèmes ça qui kembe pays bon bagay qui est important c'est que travail que ou même Yannick a fait travail d'éducation politique là travail que Foucault a fait, travail que Bousta, que a fait Bon TV et a fait avec Infoberto et Ladrier. Travail d'éducation politique, ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'argent qui mène mon nom, c'est les idées qui mènent le monde. Donc, dans l'éducation politique, quoi faire, on peut aider les peuples à comprendre et diagnostiquer maladie, mais en même temps, tout, aider les peuples à jouer une prescription, remettre médicaments pour guérir maladie. Ce sont la réalité. Nous avons gommé contre un système, okay. Moi-même, je parle avec vous là. Le système, là, c'est 8 fois, il fait tentative pour tout. C'est ça que je ne fais pas dans le pays d'Haïti. De génération, parce que je ne parle pas de génération. Ça veut dire que depuis 1995, c'est moi qui ai inventé non groupe de goudon. C'est moi qui ai inventé non groupe blackout. C'est moi même qui viens avec non oligarque.
pour m'expliquer, mon petit groupe moun nan société a, qui prend 96-97% richesse pays a, pas de compétition économique, pas de marché libre, pas de débouché pour les jeunes, c'est eux-mêmes qui contrôlent toute richesse dans le monopole économique, commercial et bancaire, et tout comme dans l'État, c'est eux contrôler le tout. Et depuis 95, nous commençons à fabriquer nos salaires pour faire éducation politique, peuple pour qu'on comprenne. Non seulement Negio fait 8 tentatives d'assassinat sous moi, pendant la radio, Negio, à travers la publicité, avait essayé de mettre des bouquettes pour éducation politique en passé. Bagay qui vient de sauver nous, c'est qu'à cause de réseaux sociaux, Negio n'a pas bloqué les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'influence sur eux. Et 97% de monde qui gagne entre 15 ans et 45 ans, c'est sur Internet. Et pas dans la radio ou dans la nouvelle. C'est une bagaille qui permet que l'éducation politique dans une tête. Même le week-end qui se passe là, on les gars qui ont été pour nous, même dans Florida. C'est bon Dieu qui bombe la vie là. On fait prudence. Donc ça veut dire que l'on fait travail ça. Il y a des sacrifices qu'on fait. Juste parce qu'on parle dans la radio. Il y a des vérités qu'on dit. Il y a un impact sur directement, il y a un impact que personne ne connaît sur la famille. Et dans la description qu'on souhaite faire, son description très claire. Le système que la boum est là, contre l'un, il y a 4 étages. Premier, quatrième étage, là, qui est en l'air net, il y a un blanc globaliste corrompu avec blanc raciste, qui fait partie du système. Il faut nous identifier tout gros blanc, ça, qui Florida, qui New York, qui Ottawa, qui Montréal, qui Paris, qui Bruxelles et la Trier, qui a couru en l'air. C'est premier, c'est quatrième étage, là. Troisième étage qui est bas, où il y a un diplomate corrompu là-dedans, où il y a un ancien président avec Oligat Pétionville. Aïe, troisième étage là. Dans le deuxième étage système là, où il y a un officiel qui est dans l'État, où il y a un leader politique, où il y a un juge, et où il y a un ancien parlementaire, où il y a même été un avocat à noter, qui est dans le deuxième étage là. Et puis, à tel net là, dans le premier étage là, où il y a un camion. Silapi, Iso, Simakak, Edda, et l'homme s'en fout, il était l'homme innocent, il a trié. Il y a 53 gangs à peu près dans la zone métropolitaine. Là. Donc, si ou même comme citoyen, citoyenne, capitaine de Yannick, là, ou pas contre une organisation 4 états, ou pas pour qu'on crée le système. Là. Et c'est pour ça que je vous dis, quel assassinat président Jovenel, là, quelle sanction qu'on va appliquer, faut ou même comme citoyen, pour pas prendre un coup, dans même blanc corrompu et blanc raciste, parce qu'il y a trois qualités de blanc. Gang blanc, globaliste corrompu, qui besoin de voler sa combat des pays d'Haïti. Gang blanc raciste, qui besoin de voler, mettez pieds sous cou parce que les nègres noirs et femmes noires courriers. Bon, troisième blanc qui sont blancs, qui ont coopéré avec les bâtiments pays d'Haïti, tout bon. Donc, dans trois catégories, ça y a deux blancs, deux catégories de blancs qui sont pas bon. Faut qu'ils identifient bien. Si on ne fait pas identification, quatre états, ça y a un saut de bas ou là, bon, on reprend mieux. Quatrième étage là, qui vient élite globaliste, corrompu, a besoin de voler sa campagne avec élite raciste. Mais deux blancs, il y a travaillé avec Abinader tout. Ouais, pour Abinader, il y a travaillé avec Abinader tout. Dans le troisième étage là, où il y a un diplomate corrompu, il y a des diplomates qui corrompus qui font partie du système. Non, pas tout diplomate qui corrompu, non. Bon, tout diplomate bien corrompu qui fait partie du système. Non, où il y a un ancien président Haïti, trois avec oligarque qui est dans le troisième étage là. Dans le deuxième étage là, où il y a un officiel qui n'a pas pouvoir l'État, où il y a un leader politique, où il y a un juge, et puis où il y a un ancien parlementaire et puis avocat à noter qui fait partie du deuxième étage là. Et puis dans le premier étage là, c'est à net ces gangs. Donc tout autant que nous ne comprenons pas fonctionnement 4 étages là, et qui meilleure façon pour nous craser, démanteler, détruire 4 étages là, le pays d'Haïti ne va pas aller aucun côté. Donc là, nous n'avons pas de travail pour nous faire un travail là, il y a peine de commencer si bien comprendre là. Hein? Bon, moi-même, ça fait un bon petit temps que je suis là-dedans. Et ou même Yannick, et Foucault, et Infoberto, et Bouska, John, Menzela, qui a fait un bon TV. Et grâce à nous-mêmes, le travail là vient pour notre direction et on l'autre niveau. Et c'est pas que nous-mêmes là, pendant 17 mois, qui la gagne, qui a intégrité, qui a sens de patriotisme là, nous. Eh bien, nous avons cassé faire couvrir ça. Comme c'est nous, nous est tout bon. Nous voulons pays tout bon. Nous aimons pays ça. Nous aimons nous vivre bien là dans la petite. Moi, nous faisons des efforts extraordinaires. Pour moi-même, vrai héros, pendant 17 mois qui sont passés là, dans nettoyer la corruption, gourmet pour justice, essayer de joindre la sécurité dans le pays à l'entrée des gangs, c'est nous-mêmes qui faisons travail ça. Ou même Yannick,
travail que Foucault fait, travail que Moustaï, Fauberto, a fait Boutivi et Menzela Kay. C'est pas nous-mêmes, on s'est des oligarques, ils ont tapé un dossier ça dans la radio Port-au-Prince. Il y a 4 ou 5 radios, ouais, ils ont carrément éteint un dossier ça, et là, ils ont même capable. Gonbay qui est important, gonbay qui est extrêmement important. Parce que faut qu'on baille population en conseil. Il y a des séries de monde là qui ont envie d'agir, mais ils ne savent pas comment pour agir. Parce que je me rappelle, M. le président Jovenel Moïse, bon chien mourir là dans la rue Port-au-Prince, il est doux, c'est massacre qui fait, Jovenel est responsable. Tout bagaille, président Jovenel, responsable, responsable. Je ne veux dire là, nous, comment mon a mouru. Comment viol collectif a fait sous forme actif. Comment il a pas assassiné moun sous mat là. Comment il a pas assassiné moun dans Kware Bouquet. Comment bandi a rentré kay moun dans cabaret sous mat là titan et moun pa ka vivre dans pays. Journée jodi an même sa yo qui te constitue opposition politique qui t'a dénoncé tout ça fait tout douce Jovenel Moïse administration Jovenel Moïse qui est responsable. Journée jodi an comme dans pouvoir yo pa gè avocat peuple tout moun silence tout moun et pété yo pa wè yo pa tande. Qui sa population t'a supposé faire? Si gè des de moun qui t'a c'est ça, éducation politique peuple là par exemple vidéo côté et Chile lui doit dire et c'est opposition radicale yo qui fait massacre la saline. Il dit mais non pas quelque bagarre que et je ne veux dire que nous pas connaît que nous vienne connaît. Bam fini. En termes d'action concret, est-ce que vous instance moun yo ka décider regrouper en association pour aller porter plainte, contre gouvernement qui là, contre l'État haïtien au niveau international puisque nous connaît pas bon côté la justice haïtienne, c'est même yo même, c'est impunité, c'est même corrompu yo qui là. Qui ça moun yo ka fait parce que gen action qui voulait porter plainte, qui ça ou même conseiller moun ça pour yo faire. Moi-même, premièrement, je pense qu'il faut nous créer un pont entre l'association diaspora et l'association qui est dans le pays d'Haïti. La première action qui doit être faite, c'est dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et ça, c'est dans Washington que l'on est dans l'OEA. Et c'est un tribunal qui est dans la région. Donc, pour moi-même, la première action qui doit être faite, doit gagner un mariage entre l'association diaspora et l'association qui est dans le pays d'Haïti. Pour que sous dossier différent, que l'assassinat du président Jovenel Moïse, que le crime que gang yo commet, ou bien l'autre crime qui fait dans le pays, ou bien corruption qui fait dans le pays, n'a pas porté plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Parce que même pas bon menti, même pas bon audité à menti, et pour ça, nous respectons même l'on pas d'accord avec, même pas bon menti. Je dis, pas gagné pour régler dans le système judiciaire haïtien. Parce que tout le monde qui participe dans tout le président, que l'oligarque, que l'Ariel est la trier, mais ils mettent un blocage institutionnel total dans le pouvoir judiciaire. Par exemple, on prend un juge, Jean-Joseph Lebrun, qui a réel fait nommer président de la Cour de cassation, c'est pour bloquer tout dossier criminel et tout dossier économique. Et Petro-Caribé est là, Adrien. Ariel n'a pas une autorité constitutionnelle, parce que l'article 175 constitution est très clair. Pour mettre un juge dans la Cour de cassation, son président constitutionnel avec un sénat constitutionnel qui a fait ça. On premier ministre provisoire ou par une autorité constitutionnelle ça. Non seulement monsieur non mon juge dans la Cour de cassation pour le bloquer pour lui, parce que ou même il y a ça déjà peut-être tout à pas qu'on est ni. Depuis Cour de cassation, fin prend décision par aucun autre côté vocal. C'est fini, c'est fini. Donc c'est premier bagaille au fait. Deuxième bagaille au fait, Ariel mettait 6 membres dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ pour bloquer pour lui. L'Elfin fait ça, il nomme 53 juges en 17 mois dans le système judiciaire. Même juge qui sous dossier président Jovenel Moïse, là, c'est Paul Denis, le ministre de justice, qui n'a unité que t'es nommé. Unité participé dans tout le président, mais qui connaît la loi dit depuis qu'il y a un conflit d'intérêt, on va pas mettre des ça sous dossier président, il va mettre le quand même. Donc ça veut dire qu'au niveau national, tout autant qu'on peut gagner élection pour nettoyer le pouvoir judiciaire, pas aucun dossier, ça va pas avancer. Mais vous avez même une recommandation, bah, ni diaspora, ni mon candidat dans le pays, à voter plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, et comment apprécier la dernière action que j'ai une succion à faire, un juge Voltaire, m'a regardé confrontation qui te gagne entre Dimitri Erreur et Léon Charles à la guerre civile. Qui ça dit ou même? Est-ce que le juge a bien travaillé? Est-ce que le pape bien travaillé? Est-ce que c'est diversion qui a fait toujours? Parce que tôt ou tard,
Tôt ou tôt, faut qu'on inculpe des séries de nègres d'assassinat président Jovenel Moïse. Tout le monde n'a pas dit c'est pas eux. Parce qu'en Haïti, c'est quoi ça bagaille là, dans le moment? C'est pas jamais, même tout le monde innocent. Yo a tout yé pas eux. Yo n'a droit c'est pas eux. Donc finalement, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, comment on prend une décision ça qui prend dans l'instruction dossier? Moi, invité tout jeune, je vais expliquer ça et je vais répondre à la question que vous posez. Mais en attendant, je vais répondre à ça. Je vais jeune Google. Et juge et Walter Wisser Voltaire trahit tête li parce que Lucas en attendant que nous lili et juge la trahit tête li il montre c'est dans unité qu'il y est tout bon bon Mexico pour ça aussi c'est pour ça ou même comme jeune captain de là ouais chaque fois m'vin là mais éviter nous à l'école, mettez connaissance dans la tête nous, et nous même capable de diriger le pays demain matin. Si vous n'avez pas connaissance dans la tête, vous ne pouvez pas être clair dans le bagage. Exactement. Je vais m'expliquer un bagage très clair. Au niveau légal, depuis que vous mettez un juge d'instruction, son dossier, côté la banquette, son crime, instruction avec l'enquête qu'il a fait à doué secret, à gagner, doué sorti public. Il y a 7 articles dans le code d'instruction criminelle là, qui expliquent comment quel juge, là, quel n'importe qui l'autre officier judiciaire qui est dans le système, là, il n'y a pas qu'à parler d'instruction. Le fait que le juge là, a parlé avec le journaliste Wendy Fell, côté non seulement il y a 5 détails spécifiques, comment qu'il interviewe Dimitri Ral, il interviewe Léon Charles, comment là fait confrontation entre les deux, qui prochain monde qu'il va interviewer en décembre, qui monde l'a interviewé en janvier, tout bagaille ça, montrer que le juge là a essayé une orientation politique à enquête là. Donc ça, le juge l'a fait là, la manipulation de, l'information publique qu'il a fait là, qui est illégale. Ou est clairement que le juge là travaille au bal faire, c'est une ordonnance définitive limitée. Côté gain 2-3 moun ni pral sacrifier mais tout gros liga qui politicien qui participe dans crime là il nous santé c'est sa mission ni parce que s'il va gain mission ça il va pral bay information publique pour orienter enquête là parce que selon code d'instruction criminelle pays d'Haïti gain 8 articles dans code d'instruction criminelle là qui dit que juge pas de dire rien sur ça faire sous dossier au niveau du public le fait qu'il fait il a un agenda politique très clair et agenda pour agenda unité qui Monsieur Lucas, juge qui fait personnellement bien avocat parti qui fait qui bat information que quelle information qui bail non bail moi regardez tweet Wendy Fell de fait semaine passée à ou après que information que Wendy Fell yo avocat yo pas gagner c'est seul juge d'instruction qui a gagné par exemple qui est que juge là pour rencontrer la guerre civile qui est là pour interroger colombien yo et on a avocat pas gagner information ça et juge lui même qui fait mais écoute leur instruction dossier leur comparaître yo comparaître avec avocat yo on comprend donc avocat pas tenu pour le bail mais la comparaison on pas connait qui que juge là pour rencontrer comme prochain monde donc ça veut dire que le fait même que juge là bail information ça le trahit tête lui et son juge depuis le commencement me dit qui pas doit accepter dossier parce qu'il y a conflit d'intérêt. Moun ki nomme juge là dans système là c'est Paul Denis qui était dans unité. Nèg unité yo participer dans tout président. Automatiquement il y a conflit d'intérêt, le juge n'aurait dû jamais accepter la position. Le fait même qu'il a accepté, il avait dit bon agenda politique. Depuis là il était fini nommé, il a demandé de déporter dans unité qui était nommé. Moi personnellement me pire mais rester attaché avec ça la loi dit parce que moi me connais c'est président qui nomme juge etc. Donc, ok, ça qui arrive à une influence politique, ok, mon nom sorti dans un clan politique. Mais je ne sais pas. Ça arrive, non, ça arrive même. Mais je ne veux dire, est-ce que nous avons basé sur ça pour nous dire un conflit d'intérêt? Est-ce que nous avons basé sur absolument ça? Absolument. Bon. C'est quoi qu'on met à Doula, Yannick, ou son monde qui n'a unité? C'est où tu es nommé, et puis tu es nommé juge qui l'a? Et puis. Il t'a proposé ou bien t'a nommé? Non, il t'a nommé, c'est pour le Denis qui t'a ministre, mon cher. C'est lui qui met des juges dans le système judiciaire. Ouais. Alors que même nous, Paul Denis, il est dans un certain moment. Paul Denis, il n'est pas là-dedans, mais le fait même qu'il y ait trois éléments unités, Ariel Henry,
Jean-Joël Joseph, Badjo Joseph qui est impliqué dans tout le président, juge là qui était nommé par unité, pas jamais doué accepter parce que selon la loi, il dit depuis qu'il y a un conflit d'intérêt, on va accepter un conflit d'intérêt là. Peut-être. Et non seulement qu'il y a un conflit d'intérêt, dans la déclaration que juge là, c'est pas une dit-elle, il vient montrer tout que le bon agenda politique. Bon, beaucoup de déclarations ça, beaucoup de déclarations ça, m'a cherché lui. Mais pour qui ça selon vous-même? Gardez tweet Wendy Fellio. Gardez tweet Wendy Fellio. Et de où il y a dit que mec qui a qui est le juge Walter Wessel Voltaire, trahiteur, qui va s'en l'éliter avec tout détail. Mais bon, l'autre aspect, ok, ou dit que il y a un conflit d'intérêt, mais pour qui sa famille présidentielle n'a pas récusé? Il n'a pas demandé pour retirer quoi le dossier pour le déposer. Bon, même pour ça, si tu m'a l'écrit, c'est sous. C'est soit avocat yo. Et pour qui ça débite ça, avocat qui représente l'intérêt président Jovenel Moïse qui a assassiné et première dame Martine Moïse qui n'a été tiré le 7 juillet, pour qui ça jusqu'à présent, avocat ça yo pour commander déporter juge. Moi-même pour ça, c'est qui m'a l'écrit et sous ça. Donc, on verra bien. Et je ne veux dire là, 17 mois après l'assassinat président Jovenel Moïse, pour nous finir l'interview, qui attend tout? Qui perspective? Vous pensez que nous allons rentrer dans une nouvelle année 2023 très prochainement? Et nous, comment dossier politique a avancé? Nous, c'est plus temps, il a bien sous pouvoir. Nous, en prise, même pouvoir PHTK a bien sous la justice. Qui perspective vous par rapport avec dossier assassinat président Jovenel Moïse? Est-ce que pour l'année 2023, c'est une inculpation liée pour différents mondes qui t'a impliqué dans le dossier assassinat Jovenel là? Ou bien est-ce que l'année 2023, tout, nous pas espérer c'est année justice, c'est année procès, c'est année côté que pour clôturer l'instruction dossier et pour faire les suivis? Bon, 2023, pour une année de combat politique, économique et juridique, et au niveau politique, et nous, oligarques avec Ariel, continuons à bailler. Regardez comment ils continuent à bâtir Château de Sable ou Château de Cap, qui a monté dans le pouvoir l'État. Toujours au niveau politique, nous, avec un blanc qui n'a coquin avec nous, que sous dossier assassinat, que sous dossier économique, yo, et que tout ce dossier sanction, qui est fait. Et au niveau juridique, nous avons tout blocage institutionnel qui fait. Au niveau démocratique, et nous n'avons pas d'agenda pour le retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement de la sécurité. Les regardez tout la richesse, comment oligarque en 17 mois, ils fait 743 millions de dollars américains sous deux peuples dans la richesse pendant 17 mois. Et regardez, j'en ai volé dans Gaza 1 milliard. Et 530 millions de dollars américains en 17 mois. Quand vous volez dans dollars, 200 millions de dollars américains en 17 mois. Comme diaspora, 39 milliards de gouttes en 17 mois. Comme trafic d'armes, 450 millions de dollars. Pardon, 430 millions de dollars en 17 mois. Comme blackout, 450 millions de dollars. Comme kidnapping, 39 millions de dollars américains en 2022. Donc, regardez tout le dossier ça. Et qui décapitalise les peuples haïtiens. Et qui vient mettre en plus misère. L'année 2023 va être une année de combat économique, combat politique et combat juridique. Eh bien, donc, nous mettons fin à l'interview. C'est un plaisir pour nous gagner. Nous espérons avoir l'autre occasion pour nous parler pays, pour nous exposer mon réalité qui gagne avec la classe politique, là, avec le secteur économique, là, et qui bataille nous doit mener au point du point de vue juridique pour nous sortir dans sa nouille là. Donc, dans ça, Yannick, et Mabelé Blié, et jeudi, ça a venu là, et jeudi 8 décembre, et ça est pour diaspora, toute diaspora qui est dans New York, qui est dans New Jersey, ou bien qui part trop loin, qui connecte Ticket, bon manifestation qu'a fait, et ou bien c'est 1601 ou 1501 ou qu'a Google, devant consulat dominicain à Manhattan, New York, par rapport à abus. Et que politique raciste que le président Abinader a appliqué contre immigrés haïtiens. Donc, une grosse manifestation qu'a faite devant le consulat dominicain dans New York, dans Manhattan, New York. Donc, nous disons tout auditeur, et pas rater, et qui dans la zone n'a pas raté manifestation ça. Donc, c'est sûr que nous avons reçu l'invitation. Depuis c'est pour le pays, nous connaissons nous à présent. Donc, c'est ton plaisir, Stanley. Merci pour la disponibilité. On a mais avant Marie, Yannick, pour me remercier, parce que, Mabdou, franchement, dossier moi pendant 17 mois là, et où sont femmes vendées en courrier, parce que si vous n'avez pas de courage, ou pas de caractère, ou pas de intégrité, analyse que moi fais là, pour le pays et pour le peuple là,
c'est où même moi qui défend tout monde pays d'Haïti, c'est où même moi qui défend femme à garçon pays d'Haïti et monde qui victime dans diaspora sont héros courrier et malheureusement en dans nous pas qu'on gagne association pour ça si année ça des gros ensemble de monde que nous t'a reconnaître que nous t'a donner mettre médaille pour ça contribuer à défendre l'intérêt national pays là ou t'a pris là-dedans donc comme si dans fait année à que nous y faut bon valer au mérité parce que dans pays d'Haïti nous on rien gras c'est travail qu'on fait là des micro ça des télévisions ça sur YouTube et il y a des sacrifices personnels qu'on fait que nous pas ouais ou bien des sacrifices professionnels ou t'as qu'à chercher avantage, t'en conseiller des mouns fèl, et puis qu'on remette tête yo, ou rete intègre. En sens, ça, forme félicito, non, tout public, là, parce que, ou son forme voyant, ou son forme extraordinaire, pour travailler ta course, pendant 17 mois qui se passe, à pays a besoin, un pile moun d'un coup, pour que pays a sorti qu'on coule, là. Ou son modèle pour la jeunesse. Bravo! Merci, un pile, et depuis c'est pour payer une bataille avec des sacrifices qui trop gros pour faire payer. Alors, c'est pas déjà l'autre. Tes questions là, dans le tour, là-bas. Pas gagné, Annick, ça t'est ici. Donc, merci, un pile, Stanley, et merci pour disponibilité. On a croisé l'autre fois. Bon, c'est bien, nous, bien là. Merci. Bien. Avant de finir l'émission, il est extrêmement important pour me faire tirer à l'air avec vous sur un point qui est extrêmement important pour moi. Il y a un paquet d'amis. De pour parler de président Jovenel Moïse, de pour demander justice au président Jovenel Moïse, yo envie de retour de tous les noms. Gen moun qui même prend et le malin plaisir, yo dou ça, yo vle n'importe ça que sot nan bouchou, yo dou li. Gen qui dou avant président Jovenel Moïse te assassiné, gen l'autre moun yo te assassiné, est-ce que yo te jeune justice? Gen moun qui dou tout massacre qui te fait sur Jovenel Moïse, yo est-ce que moun sa yo jeune justice? Pas un problème. Moi même pas là pour me venir présenter au Jovenel Moïse comme un saint. Moi pas là pour me venir présenter au ancien président comme un monde qui était parfait etc. Non. Moi pas là tout pour me dire remet Jovenel, pas remet Jovenel ou gen raison remet ou gen raison pas remet. Non, c'est pas job moi ça. Moi même là pour me faire un travail d'éducation politique pour vous. Moi là pour me faire un travail pour me clairer chimo pour comprendre pour qu'on exactement comment on doit réagir par rapport avec telle situation. 17 mois après au fin assassiné président Jovenel Moïse côté nou y ak peyi a moun sa yo ki t'ap dénoncé moun sa yo ki t'ap ofri nou espoir que après Jovenel Moïse peyi a t'ap pral douce t'ap pral soi c'est l'état miel ki t'ap pral couler côté nou y est jodi a avec peyi a ki sa nou doit comprendre depuis ces politiques ka fait corruption toujours marché Bradzi Bradzavel. Depuis ces politiques qu'a fait, toujours en question de conflit d'intérêt, de jeu d'intérêt. Gen des séries de moun qui viennent entrer en bas zèlou, c'est pour venir faire l'argent. Gen des séries de moun qui viennent rentrer avec, qui viennent travailler avec, mais dans la main, soi-disant comme conseiller en pile froid, li même li gen objectif pas li fixé. Li gen objectif pas li vle atteindre. Parce que gros paquet nèg qui fait politique à terre là, yo considérer l'État comme mamel beflan. Yo considérer l'État comme côté pour yo venir enrichir yo. Yo considérer politique là comme outil pour yo enrichir yo, pour yo faire l'argent, pour yo venir millionnaire, pour yo venir multimillionnaire. Sinon jodi a la donne n'a parlé de parlement. Nous pas parler de repère de bandits. Puisque jodi en dedans parlement, ou a besoin de trafic en drogue, en dedans parlement, ou a besoin de nèg qui dé kidnapping, en dedans parlement, ou a besoin de nèg qui responsable et trafic d'armes, trafic stupéfiant et qui vend balle, qui bail bandi moyen financier, moyen technique pour yo simaye violence en dedans pays. Parce que nèg za yo qui fait politique, nèg za yo jodi en qui sénateur, député en dedans la République, yo utilisé politique là comme outil pour yo enrichir yo. C'est ça nous relè enrichissement illicite. Bon, bref. Pour moi, tourner dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, bon, green bagay que vous voulez nous comprendre. Que vous terrez mes Jovenel, que vous patrez mes Jovenel, le yon parle de Haïti, yon pas parle, est-ce que vous terrez mes Jovenel, est-ce que vous patrez mes Jovenel, yon est pays avant tout. Le yon parle de Haïtien, yon est pays avant tout. Je ne jodi en là, nous-mêmes comme Haïtien, nous-mêmes comme moun, nous participons dans tout le président, nous, comment nous voulons dominer pays voisin, nous, ouais, nous. Dominique, on l'a nous rive la kayo. C'est tout normal pour yon pas considérer nous comme moun. Parce que yon gete mette nan tête yon. S'il te facile comme ça pour un groupe haïtien rentre dans complot pour yon touye président yon. Donc nous même, nous pas katolere moun sa yon kote. Nous parce que n'importe qui le, n'importe qui joue, nous pas contre qui sa yon kafe nous. Parce que nous pas en mesure pour nous défendre pays nous. Nous pas en mesure pour nous camper pour nous défendre l'intérêt pays nous. Nous toujours pareil.
pour nous défendre vente nous, pour nous défendre l'argent nous, nous parler pour nous craser pays, créer instabilité, créer violence dans le pays. Donc pas aucune autre nation qui prend nous au sérieux parce que yo considérer nous même nous pas prendre nous au sérieux. Journée jodi an, on finit pas comprendre que avant parler de justice sous président Jovenel Moïse, moun ki banalize li, c'est parce que yo pas konn sa ki rele pays, yo pas des haïtiens authentiques. Récemment, m'te invité sénateur Jacques Sauveur dans l'émission. L'homme t'a abordé sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, est-ce que gon justice? Est-ce que nous ka espérer justice pour président Jovenel Moïse? Li te répond pour te dire est-ce que Jean-Jacques Dessalines, papa nation qui t'est mort depuis l'elle mourir, est-ce que il t'est jeune justice? Donc si nous bien comprendre, depuis le temps, des séries de monde qui te bataille pour ba Haïti, pour ba nous pays là, pour mettre Haïti côté lié là, yo assassiner moun za yo, à travers l'histoire nous banaliser, à travers l'histoire nous pas jamais chercher konnen comment moun za yo te fait mourir, nous pas jamais chercher konnen qui est moun qui te dé assassinat yo, nous banaliser histoire pays nous banaliser histoire ancêtre nous yo, journée jodi an la n'a comprendre ça fait en pile moun a banaliser justice pour Jovenel, ça fait en pile moun a banaliser assassinat président Jovenel Moïse, c'est parce que moun za yo pas considéré tête yo comme haïtien. C'est pas en question yo assassiner président Jovenel, c'est pas reine qui mange l, c'est mettre chat qui mange chat là, mais plutôt c'est souveraineté paysan yo souillé. C'est tout ton pays yo mette à genoux. Moi même jodi en bataille choisi faire. C'est pour bataille côté que ma vinn dou moi reme Jovenel, pas reme Jovenel. Bataille ça m'a fait en dedans paysan là. Son bataille pour pas jamais tendre un bagaille comme ça reproduit, répéter encore dans histoire pays nous. Moi même à travers l'histoire c'est dans l'histoire que connaît un président qui a assassiné. C'est dans l'histoire que connaît un président qui a assassiné président haïtien. Même pas que j'en vive en bagaille comme ça, j'éclaire. Mais journée aujourd'hui, pendant que tout pays a cherché développement la caillou pour population yo ka vive bien, pour citoyen yo ka vive bien, nous même comme haïtien, nous même comme classe politique, nous même comme élite économique, c'est craser n'a craser pays. C'est complot n'a fait pour assassiner président, c'est complot n'a fait pour touiller autorité en dedans pays an jusqu'il est n'a suspend la bagaille ça. M'a don bagaille. Ces derniers temps, suivez pour surtout en Amérique latine là. Gros paquet président qui monte, c'est président de gauche. Yo décidé, y a prend responsabilité comme dirigeant. Que la communauté internationale content, que États-Unis content, que États-Unis fâché, yon pays pour yon défendre, yon citoyen pour yon défendre dans le pays, yon pays pour yon protéger, yon pays pour yon diriger, yon mené action yon gens yon vle. Et qui ça nous est? Nous, même communauté internationale, ça dénonce dirigeant ça, abdou se violation de la moun, abdou yon fait abus, etc. Mais si vous êtes tout, yon président qui a mené mandat yon douce, et puis la caille yon population pas à vivre, non? La kayo nan pays ça c'est violation droit moun. Nous ne pouvons pas jamais entendre ça. Pour qui ça? Parce que moun sa yo kap mené mandat yo douce pendant tout le temps. Ça, c'est pas bien, bien dirigeant pile nan yo. Mais pourtant, c'est accord qui passe en bas tabac avec communauté internationale, avec quelques pays. Vin, on reprend vin bay neg yo, vin pille, vin bay neg yo, vin tot, tout ça yo genye comme ressource dans l'idée pour protéger pouvoir yo, dans l'idée pour gérer pouvoir yo. Journée jodi a la, c'est parce que j'ai peuple haïtien commencé clair, j'ai peuple a commencé ouais, calé, qui faut ouais, Ariel a pris frappe, qui faut ouais, manifestation qui kon fait, y a saccagé pouvoir non mais Ariel, mais autrement, si c'est pour garantir, si c'est pour bagarre Ariel de kabay neg pour kembe pouvoir mon cher neg ta bouke liquide pays neg ta bouke vend ressources naturelles yo fait cadeau yo pour kembe pouvoir parce que automatiquement neg la gen pouvoir senti l'intouchable automatiquement neg la gen pouvoir en Haïti li gen temps c'est lui même qui met payant la justice c'est lui autorité a c'est lui juge a c'est lui commissaire a c'est lui tout comprendre nous trouver nous en situation journée aujourd'hui là si nous pas rentrer. Si nous pas fait introspection pour nous rentrer dans nous-mêmes comme moun, comme haïtien pour nous, ouais, c'est pas une question de Jovenel Moïse, c'est pas une question de Jovenel qui est corrompu, Jovenel pas corrompu, mais plutôt son question Haïti avant tout. Est-ce qu'on parle pour faire passer intérêt pays avant tout bagay? Est-ce qu'on parle pour faire passer intérêt pays avant tout problème ou ka gagne avec un clan ou groupe moun? Joune jodi an la bon moun, ge catégorie qui pas qui dou yo pas à marcher avec Jovenel ou bien yon patron Jovenel Moïse, pour que c'est parce que c'est moun qui de gauche.
Je dis à la question non la valacien dit comment Jovenel t'a dirigé l'Abdoul Patrick Lumien. L'Abdoul pas jamais réglé rien oui. Journée jodi an la mandon nèg nan opposition ki sa Jovenel Moïse te fè de positif. Li pa janm jwenn yon nom pou le montre parce que zye yo pété yo pa wè. Se kesyon retire kòb an mete pa mso kesyon batay politik ka fè. Alors que malgré ka reproche on moun ou paquet bagay la fè mal, mais sou pran ton pou gade ou pran bagay li te fè de bon. Ou pran bagay li te fè de bien. On moun pa ka on comprend on moun se pa ka bagay mal seulement fè. Mais mon ligok ça aujourd'hui jodi an a dénoncé mais si nous chercher pour nous ouais comme je nos bagaille de bol te font le oui parce que création d'emploi aujourd'hui jodi on te poser Stanley Lucas question ça ouais sanction ça que Canada prend contre oligok yo sanction ça que Canada prend contre élite économique là yo a gagne répercussion sur activité économique de dans pays là très bientôt comme nous pour arriver là mais très bientôt. Si on t'a pris une décision pour camper toute activité économique qui a fait dans le pays, ou qui quantité moun qui pral dans le chômage, ou qui quantité moun qui a perdu le job, eh bien c'est là pour nous comprendre. Malgré moun n'a pas agi mal, malgré moun n'a fait ça pas bon, trois nègres a eu là seulement Canada sanctionné, Bidjo, Sherif Abdallah avec tout et Renault Dib, yo créé travail en Haïti, gen moun kap travail dans l'entreprise moun sa yo, gen moun jounen jodi an pou yo mette manje nan bol fam yo, c'est dans business sa y ap travay, c'est là chaque mois y ap touche salaire yo. Donc, pendant n'ap dénoncé mauvais actionnaires yo a fait en dedans pays an, pendant n'ap dénoncé pied yo mette sous coup population an, sous coup pays an, sous coup haïtien an, mais tout par-dessus de tout bagay sa yo, gen kèk ti bagay soit gade bien, soit passe au penfe, soit passe à la loupe, ou ap wè gen kèk bagay de positif que yo fè. Bref, mais Mariel toujours dit an la, nous n'a dénoncé l nan tèt pays an, n'a dénoncé Ariel qui mette nan tèt li gen plein pouvoir, Ariel k'ap comporté l'an président, Ariel k'ap comporté l'an roi en dedans la République, mais Ariel c'est premier ministre pays que vous voulez que pas vrai toute décision k'ap prend là, qui est-ce k'ap prend yo? Ariel k'ap prend yo pour qui est-ce k'ap prend yo pour Haïti, k'ap prend yo pour peuple haïtien. Donc que l'on veuille ou non, yo c'est autorité. Que l'on veuille ou non, c'est yo même qui a fait, c'est yo même k'ap défend en dedans la République. Donc elle voulait nous prendre pays en au sérieux hein? Parce que bataille lancée pour ça. Pour nous prendre pays au sérieux. Pas rien monde, pas aucun Canadien, aucun Américain, aucun Français, vous comprenez, aucun Anglais qui vient prendre Haïti au sérieux si nous même nous pas prendre au sérieux. Donc nous avons un paquet de travail pour nous faire, nous avons gros tonton bataille pour nous mener, pour nous finalement sortir en bas système ça, en bas établissement ça, parce que c'est pour un bagage qui la jodi. Stanley Lucas dou li même li passé 8 fois ba yo donc il m'a besoin d'où depuis qui le système ça li implanté en dedans pays. C'est un véritable plaisir pour me t'ai avec aujourd'hui dans l'émission. Restez connectés, nous là pour nous informer, nous là pour nous kebo informer pour aucun détail pas échapper pour qu'on exactement qui ça qui passé dans pays. Rendez-vous à casser 7h boule avec Foucault pour reste programmation. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.